Des experts sud-africains séjournent depuis hier à Kinshasa. Ils sont venus négocier un partenariat dans plusieurs domaines de collaboration avec le gouvernement provincial de Kinshasa. La présence de ces experts sud-africains dans la capitale congolaise fait suite à une visite de travail que le gouverneur André Kumbuta Yango vient d'effectuer au pays de Nelson Mandela. Les travaux vont se dérouler en trois commissions. La première commission, c'est la commission des infrastructures. La deuxième grande commission, c'est celle qui s'occupe des finances et des commerces. Nous allons parler du renforcement de notre structure collecte des impôts et taxes, donc la DGRK en sigle. Et nous avons la dernière commission, celle qui va s'occuper des besoins sociaux de base. Nous avons l'eau, nous avons l'électricité. Nous avons l'agriculture, nous avons les cultures, le tourisme. Je demande aux membres à faire les diligences nécessaires parce que les travaux des experts doivent être sanctionnés par des projets de contrat que nous aurons assignés avec les groupes Gouma et avec le premier de KwaZulu-Natal.